L'Afrique, elle va envahir le monde. Mais, bien sûr, ce n'est pas ni par la violence, ni par la religion, ni par les armes. Ce serait par leur force de travail et par leur amour pour la vie et aussi pour un bien-être. Donc, on ne peut pas le négliger, on ne peut pas se barricader ou se cacher devant les problèmes de l'humanité en attendant des jours meilleurs. Il y aura des jours pires si jamais on ne s'intéresse pas au sujet. Parce que là, l'Italie était en Afrique, la France était en Afrique, et les conditions, les Européens ou les Occidentaux avaient un rôle dans leur situation. Donc, les problèmes sont communs et de tout le monde. Donc, on comprend un peu les citoyens, comment ils s'inquiètent, mais leur inquiétude devrait aller dans le sens de trouver des solutions. Je crois que la solution serait d'alléger un peu les visas et de donner à ces gens la possibilité de tenter leur chance dans des conditions normales et si jamais ils sont convaincus qu'il n'y a pas de travail, ils rentreront et ils s'adapteront à leur milieu. Et en même temps, il faudrait investir un peu dans les pays du tiers-monde pour qu'il y ait un peu une certaine infrastructure économique, pour que les gens travaillent et trouvent de quoi consommer aussi les produits de l'Occident, si vous voulez.